Any fool can train more, it takes courage to rest. Bienvenue à cet épisode de NGA Talk. Aujourd'hui, on va parler du mindset que ça prend pour maximiser la récupération. En premier, c'est quoi l'importance de la récupération? Ben, quand on s'entraîne, ça fait du dommage musculaire et ça stresse notre corps, ça crée un gros stress. Si on veut être capable de récupérer, de surcompenser, donc de devenir plus fort, plus endurant, plus vite, plus tout ce qu'on veut, il faut absolument que notre corps ait le temps de récupérer. Donc, je vous dis pas qu'il faut s'entraîner moins, mais il faut être intelligent parce qu'il faut s'entraîner à récupérer aussi. Parce que la récupération, c'est tout aussi important que l'entraînement. D'où le quote que, avec lequel j'ai commencé. Donc, le premier truc à regarder, c'est que c'est quoi qu'on veut dire quand on parle de « mindset » dans la récupération? Bien, c'est que la récupération, c'est pour éliminer ce stress, dans le fond, et réparer ce stress et surcompenser. Mais quand on parle de stress de l'entraînement, c'est un stress physique. Mais le stress mental, c'est ressenti de la même façon par notre corps que le stress physique. Donc, il n'y a pas de différence sur le stress qu'on est capable d'emmagasiner, s'il est mental ou physique. Si pendant notre journée de récupération, on est stressé parce qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, parce qu'on est forcé à faire quelque chose, parce qu'on stresse mentalement à propos genre d'un événement qui va y arriver bientôt, ben notre récupération n'est pas bonne. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas pousser encore plus fort dans notre prochain entraînement et donc on ne sera pas sur la voie de devenir le super athlète qu'on veut être. Donc, comment est-ce qu'on peut récupérer? C'est quoi le mindset qu'il faut? Mais il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Il y a des outils qui sont très coûteux, genre le float, où est-ce qu'on vous met dans une chambre qui vous prive dans le fond de sensations, où est-ce que vous êtes dans de l'eau salée, on flotte et on est dans le noir. C'est comme un peu de la méditation forcée, ça dure une heure, sauf que c'est relativement cher. Il y a bien sûr la méditation, mais la méditation, c'est difficile. Fait comment est-ce qu'on fait pour être capable d'apprendre à méditer? Ben, par exemple, on peut utiliser les headbands de méditation ou on peut utiliser les applications de méditation. Pourquoi la méditation, c'est important? Parce que ça nous permet justement d'avoir le mindset de récupérer et même aussi, ça travaille sur le mindset qu'il faut pour atteindre nos objectifs. À quel point est-ce que c'est important de ne pas avoir beaucoup de stress? Ben, les études nous montrent que plus on est stressé, plus on a des chances de se blesser. Sur les athlètes universitaires, ils ont marqué qu'en période d'examen, les bons athlètes avaient deux fois plus de chances de se blesser. C'est énorme. Donc, une autre raison de vouloir baisser le stress et d'apprendre à méditer. Après ça aussi, on veut des gains quand on s'entraîne. Eh bien, les études montrent que lorsqu'on a un gros stress, notre corps n'est pas capable d'utiliser toute l'énergie qu'il veut pour avoir plus de gains. Et ça peut même éliminer complètement les gains de l'entraînement qu'on vient de faire. Donc, on se sent bien parce qu'on s'est entraîné, mais on ne s'améliore pas au niveau physiologique. Donc, ce qui est super important aussi, c'est de penser que de temps en temps, c'est possible d'enlever ce qui nous stresse. Donc, exemple, si vous êtes stressé par rapport au climat, c'est possible d'aller dans un endroit où est-ce qu'il fait plus chaud, puis ça enlève le fait que vous êtes stressé parce qu'il fait froid. Sauf que il y a des moments où est-ce qu'on peut pas éliminer les stresseurs. Exemple, en ce moment, on est en période de pandémie, ça me stresse. Ça stresse tout le monde parce que ça chamboule notre vie. Ça fait qu'on est stressé par rapport au prochain championnat qu'on a au niveau du sport. Comment est-ce que ça va fonctionner dans la société au niveau du sport? On le sait pas. Même les Olympiques ont été déplacés. La plupart des compétitions qu'on doit faire sont déplacées, repoussées, annulées. Fait que ça, c'est un stress qu'on peut pas enlever. Comment est-ce qu'on fait pour dealer avec ça? Ben, c'est justement « deal with it ». La première chose, c'est CTC, « control the controllables ». Donc, il faut s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça, on ne peut pas le contrôler. Le COVID-19, on ne peut pas le contrôler, fait qu'on le met de côté. Deuxièmement, c'est « figure it out ». Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, exemple, je vais m'entraîner chez moi. Exemple, vous, ben, vous allez utiliser le guide NGA pour vous entraîner à la maison. C'est ça, « figure it out ». On fait un plan. Puis après ça, « deal with it ». Change ton attitude par rapport à ce qui te stresse. Au lieu d'être fâché à chaque fois que tu parles du COVID-19, au lieu d'être fâché de ne pas pouvoir aller au gym, au lieu d'être fâché de ne pas pouvoir t'entraîner avec tes amis, change ton attitude par rapport à ça parce que c'est du stress que tu décides de mettre sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler au lieu de garder cette énergie émotionnelle-là pour maximiser ton entraînement puis sortir encore plus fort de cette expérience-là.
Fait que j'espère que ça vous aide. La prochaine NGA Talk, si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires.